le parcours de la flemme, c'est la plus belle journée. Je crois que ça met en valeur la grande mosquée et que ça renforce les relations qu'on a entre nous et que nous sommes ben, du même peuple. D'éléments symboliques qui font que la Grande Mosquée de Paris aujourd'hui a reçu à la fois les porteurs de la flamme. C'est un signe très important pour la Mosquée de Paris qui est reconnue à sa juste valeur comme faisant partie du patrimoine religieux de France et en même temps pour les musulmans en France. Le fait qu'on prenne du temps, le fait qu'il y ait des gens, beaucoup de gens dehors, devant la porte de la Grande Mosquée fait que tout le monde est heureux, tout le monde voit à travers cette flamme. On sait très bien que les Jeux Olympiques ont toujours joué ce rôle de ciment de l'humanité. C'est vraiment pour nous un message de fraternité, d'humanité extrêmement important. Et le passage de la flamme s'est fait sous le regard majestueux du minaret. Donc c'était un beau moment d'humanité. Je trouve que merci aux organisateurs de nous avoir donné ce privilège. Je suis super content et fier d'être à la Grande Mosquée pour porter la flamme. Je trouve que c'est un beau signe de paix. Et puis avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier, là, je trouve que c'est un très beau message. La Grande Mosquée, déjà, c'est une grande symbolique de l'État français et des Français envers les Maghrébins pour leur implication dans les conflits. Et je pense que le parcours de la flamme, c'est la plus belle journée. Je crois que ça a mis en valeur la Grande Mosquée et que ça renforce les relations qu'on a entre nous et que nous sommes le même peuple, on est un même peuple et que c'est un grand message de paix et d'amitié et de fraternité. D'être venu dans la mosquée de Paris, qui est la grande mosquée de Paris, avec des jardins magnifiques, où on sent vraiment une odeur particulière, agréable, douce. Et puis, c'est un lieu qui veut dire beaucoup, c'est un havre de paix aussi, et on espère que la paix va venir bientôt, que ce soit partout dans le monde.